Attention, étudiantes et étudiants français, ne soyez pas jaloux. En Suède, Minecraft fait partie du programme scolaire des collégiens. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien réel. Et c'est même carrément obligatoire dans certains collèges. D'après les professeurs, Minecraft est devenu un bon moyen de préparer les étudiants pour leur entrée dans la vie active via la gestion de ressources. C'est sûr qu'avec ça, les cours du vendredi après-midi, ils sont plus faciles à vivre. Et au Danemark, ils ont été encore plus loin. Deux chargés d'État ont recréé la totalité du pays et à l'échelle, s'il vous plaît. Et ça a son utilité, puisque ça aide le gouvernement danois dans le recensement et l'utilisation des données géographiques. Comme quoi ?